Alors, chef, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? Eh bien, nous allons concocter les piments au lard façon vrai faucon. Une farandole de saveurs, un régal pour les papilles. Waouh! Waouh! Wagadougou, 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 Après, elle refait la recette et que ça saute. Et maintenant, éternue. Bon. Ben, où est-ce qu'il est? Ben là, Joe. Mais moi, je le trouve délicieux, mon ragoût. C'est le ragoût d'Avrel qui l'a rendu invisible. Avrel, t'es un génie. Laisse-moi t'embrasser. Ben, je suis là, Joe. Ça marche. On est invisible. Allez, enfonce. Joe, invisible, ça ne veut pas dire qu'on peut traverser les murs. Garde, garde, il y a des bêtes dans notre cellule. Quelles sont les bêtes? Oh. Alerte! Alerte! Les Dalton ont disparu! Disparu? Sans laisser de traces, rien, ni de runway, ni tunnel! Fermez toutes les issues, ne laissez personne sortir! Ils sont certainement encore dans nos murs! Qu'il se montre un peu pour voir. Rien n'échappe à Melvin Peabody. Oh, ça vous fait rire? Je vous demande pardon. Et maintenant, on pique les clés chez le directeur et ensuite on disparaît. Hé, hey, mais je vole! Je vole! Avrel, c'est quoi ce chien? Ben, un souvenir, Joe. On voyage léger, pigé. J'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Si, si, vous avez ri, Emmett. Mais elles sont où, bon sang? Attention, voilà quelqu'un. Pas possible. Gratitude. Ah, merci. Il va tout faire foirer. À la garde! À la garde! J'arrive! Super, rentre en bloc! À la garde! À la garde! Passez vite! Qui est là? C'est nous, les Dalton. Les clés. Les clés? Mais je n'ai pas les clés. C'est vilain de m'en dire. Oh, pardon, patron. Les Dalton, ils sont invisibles. Là, devant vous. Où ça? Ici. Rassurez-vous, je suis là. Mes yeux de super-héros vont très vite localiser les fuyards. Vite, on stagne. Joe, la potion n'agit plus. L'essentiel, c'est qu'on ait les clés. Oh, laquelle c'est?
Pop. On n'est pas payé pour chasser des fantômes. Je double votre salaire. Je triple. Je quadruple. Et c'est mon dernier mot. Bon, ok. Combien? Le pénitentiaire hanté! Le pénitentiaire hanté! Hanté? Braqué? Hanté? Non, c'est fichu trop sombre! Ah, voilà! Regardez! Regardez et appréciez la liberté qui nous tend les bras! C'est beau, non? Bon, on y va, Joe? Attends, c'est un moment à savourer! Rien ne nous presse! Plus un geste! Et les mains en l'air! Enfin, celles qu'on peut voir! Oh, encore raté! C'est énervant à la fin! Ah, et puis ça suffit maintenant, Avril! J'y peux rien, Joe! J'ai du mal à digérer la potion! Non, j'ai pas oublié mon pantalon. Je le porte sous mon slip, comme tous les super-héros. Je t'explique le plan. Je vais faire plein de dessins et de graphiques avec un maximum de photos de toi. Tu vois, je rassemble plein de documents. Oui, et puis-je savoir dans quel but? Il faut que je parle de la vie des créatures qui habitent dans les mares. Les grenouilles, c'est bien des créatures qui habitent dans les mares. C'est ce qu'on dit, oui, c'est là qu'elles se développent. Mais moi, je suis une grenouille de salon. Allez, monseigneur, s'il te plaît. J'ai juste besoin de quelques photos sous des angles différents. On va attraper des têtards et on fera comme si c'était tes enfants et le tour sera joué. On ne m'a jamais rien demandé d'aussi humiliant. Oh, sois sympa. Bon, d'accord. Mais fais vite, hein, qu'on en finisse. Cheese. Monseigneur, tu pourrais enlever ta perruque, s'il te plaît? Que? Tu ne penses tout de même pas que je vais me faire prendre en photo tête nue? Mais qu'est-ce qu'elle va dire, Mademoiselle Fossette, en voyant un crapaud avec une perruque? Et ma dignité, alors, ça ne compte pas? Monseigneur! Fais un effort, quoi, c'est pas la fin du monde! Tu vas où, là? Au contraire de toi, Tom, j'ai une vie passionnante. J'ai trouvé un travail et je vais gagner plein d'argent en restant assis toute la soirée à ne rien faire. Maman, c'est quoi cette histoire de boulot? Oh, Cindy a trouvé un travail de babysitter. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai préparé de la teinture pour les cheveux, mais sans le faire exprès, j'y ai mis de la poudre volante. Tu n'aurais pas vu une bouteille de shampoing violet posée quelque part? Je suppose que tu es Cindy. Bienvenue. J'ai préparé son dîner. Elle mange à 18h, et ensuite le bain et au lit. Rien de bien compliqué, tu vois? Et elle adore prendre son bain, n'est-ce pas, mon petit ange? Jamais elle ne s'endormirait sans avoir pris son bain. Il y a de quoi grignoter et des DVD. Nous ne rentrerons pas tard. Vous pouvez partir tranquille. Tout va très bien se passer. Si c'est pas la belle vie, ça! Salut, bébé! Aïe, bébé! Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent! Pêchez votre talent de vainqueur!
fais la paix. Je sais bien que t'es pas une grenouille comme les autres. Allô? Cindy? Écoute, Tom, il faut que tu viennes m'aider tout de suite. Ce bébé est en train de me faire tourner en bourrique. Ah ouais? Tu veux dire que s'occuper d'un petit bébé, c'est trop compliqué pour toi? Cindy qui joue à la maman les bornées, ça doit valoir le détour. Le problème, c'est que je peux pas sortir. J'ai un paquet de devoirs à faire pour demain. Il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Tom, tu peux pas m'abandonner. Si ça se trouve, tu me reverras jamais vivante. Ok, mais c'est moi qui ai le contrôle de la télécommande pendant 10 jours. 5. 7 et demi. D'accord, vendu. Et surtout, prends la baguette. Je crois qu'on va en avoir besoin. Attends-moi, je ne raterai ça pour rien au monde. Qui on dirait une recette préparée par Willow quand elle prend pas sa baguette. Non mais la couleur est superbe, ça te va très bien. C'est un ouragan. Elle m'a pas laissé 10 secondes de répit. Ah wow. À mon avis, elle fait ses dents. On utilise la baguette. D'accord, j'essaie un truc pour les dents. Vite, donne-moi la baguette. L'ours se calme et les dents ne font plus mal. Ah, on devrait pas garder ces monstres en cage. Et pourquoi on se servirait pas de la baguette pour la faire dormir? Je suis pas sûre que ce soit très bon d'utiliser la magie sur un bébé. Elle m'a collé un de ses mal de tête. Donne-lui ta jambe à mâchouiller, Tom. Elle a l'air d'adorer ça. Coucou, Bou. Ça marche? Vas-y, vas-y, fais-le, toi! Coucou, Bou! 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 Une pause bien méritée après 2700 coucoubous. Coucou, Bou! Voilà, et c'est comme ça à chaque fois qu'on fait pas tout ce qu'elle veut. Coucou, Bou. 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 Coucou. Oh oh. Hein? Hein? Elle veut danser, j'y crois pas. Moment où on va se détendre, elle va se remettre à hurler. Non, je crois qu'elle dort pour de bon. Aidez-moi, on va la soulever tout doucement pour qu'elle se réveille pas.
décidé d'avoir notre peau. Compte les moutons et ils t'endormiront. Vous pensez que la baie a été neutralisée? Elle dort comme un bébé, mais on va garder les moutons au cas où elle se réveille. Vrai, j'ai oublié de lui donner son bain. Et tu veux la réveiller, c'est ça? Non, peut-être pas, non. Et après l'effort, le réconfort. C'est un bon plan malgré tout, non? J'ai 500 chaînes, des super gâteaux à l'œil et en plus je suis payée pour ça. Mais comme on a partagé le boulot, on va peut-être partager l'argent aussi. Non mais tu rêves ou quoi là? Il n'en est pas question. Je rigole pas et c'est moi qui contrôle la télécommande, tu te souviens? Attends frangin, t'espères avoir la télécommande et une partie de l'argent? Oublie tout de suite. Je te signale que j'ai un témoin. Monseigneur, t'étais bien là quand j'ai passé le marché avec Cindy? Oh, Monseigneur! Non, il n'est pas là non plus. Il serait quand même pas parti sans nous prévenir. Oh. Cindy! Ça va pas! Tu veux la réveiller ou quoi? Où elle est? Elle s'est fait grandir très vite. Et après, elle nous a donné vie. Oh non, elle a pris la baguette. On va venir te tirer de là, Monseigneur. T'inquiète pas. Je fais pas coin-coin, je sais même pas faire croix-croix. Allez, c'est le moment ou jamais d'être héroïque. Tu vas quand même pas me dire que t'espérais y arriver? J'ai vu défiler toute ma vie devant mes yeux. Tout le monde
monde connaît ce sort. Oh. Monseigneur! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quoi ce délire? Tu retrouves ta taille de bébé. Là, Valérie, il a du mal à passer. Attends! Si elle reprend sa taille normale, Monseigneur aussi va être réduit à la taille d'une fourmi. Elle mâche quelque chose. Dévoré par un bébé géant. Quelle fin horrible. On peut pas rester comme ça à rien faire. Il doit y avoir un moyen de le sauver. On va lui faire une radio avec la baguette. Reste derrière. Il est pas là. C'est pas possible. Elle a déjà dû le digérer complètement. Et elle m'a piqué mon rouge à lèvres. Allez, recrache. Cindy, on se concentre sur notre problème. Ce bébé a dévoré Monseigneur, je te signale. Il y a 2 minutes, Monseigneur criait encore. Et avec ses 2 dents, ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à le mâcher. T'as pas tort. Mais alors pourquoi il est introuvable? Oh! Où est la grenouille? Où elle est la petite grenouille? Grenouille quoi? Grenouille quoi? Mais non, les grenouilles, ça fait pas quoi, ça fait quoi? Oh, mais qu'est-ce qui me prend, moi? Ça va pas, je suis en train d'interroger un bébé. Tu vas retrouver ta taille normale, toi, ce sera toujours ça, hein? Va chercher Monseigneur. Oh, je comprends pas, c'est la première fois que la baguette refuse de faire ce qu'on lui demande. Aller dans les toilettes, c'est super dégoûtant. Monseigneur, réponds si t'es là. Oh, j'ai pas le choix, il faut que je descende. Je peux pas le laisser errer toute sa vie dans les égouts. Comment ça, tu veux descendre? Genre avec une combinaison de plongée? Excellente idée, Cindy. Continue à lui parler, dis-lui de tenir bon. Allô, Monseigneur, tu m'entends? Essaie de voir les choses du bon côté et tu vas peut-être rencontrer une jolie princesse, qui sait. Ta mère a bon goût pour les vernis. Dans la famille Barjot, je demande le frère. Hé, c'est quoi la technique pour passer dans les toilettes? Ça va être un jeu d'enfant si tu me rétrécis avant. Si je te quoi? Avec la baguette. Oh, si tu y tiens, je veux bien le faire. Mais en échange, je récupère le contrôle de la télécommande. De toute façon, comme tu te feras dévorer par un rat. Prêt? Ravi de t'avoir connu, Tom. Si ça lui fait plaisir, fais-le rétrécir. Parfait! Maintenant, pose-moi sur le siège des toilettes. Je trouve ça absolument répugnant. J'espère que t'es sûre de ton coup. Bon voyage, petit frère. Et si j'en profitais pour me laver les cheveux? Oups, on dirait une des potions bizarres de maman. Comment est-elle arrivée dans mon sac? Ça a pas l'air de t'avoir traumatisé. Allez, s'il te plaît, rends-moi ma taille normale. Petit, c'est fini, deviens grand comme avant. Des nouvelles de Monseigneur? Non, en plus je voyais pas grand-chose en bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est le moment de se laver les cheveux?
Bah, puisque j'étais dans la salle de bain, plutôt que de t'attendre à rien faire, je me suis dit que... Non mais ça va pas, toi! Monseigneur est dans la bouteille! Eh ben, quel gâchis de shampoing! Oh! Merci, Tom! Tu m'as sauvé la vie! Un jour, je ferai de toi mon chevalier! Je préférerais quelques photos pour mon devoir de l'école! Oh! Tchis! Elle est là! Reste pas comme ça! T'attends quoi? Va la chercher! La baguette Cindy, il faut qu'elle arrête de flotter si je veux la récupérer! Oh, c'est bon, t'énerve pas! Le bébé qui flotte en l'air va vite revenir sur Terre! On a eu aucun problème. Et si elle plane un peu, c'est parce que je lui ai appris la méditation tibétaine. Mais c'est fantastique. Tu pourrais garder notre petit ange la semaine prochaine. Mais on ne l'a même pas payé. Elle était pressée, il est tard. Alors comment il va, mon trésor? Elle est sage comme une image. Coucou, bourré. Essaie d'y mettre un peu du tien, monseigneur, d'accord? Maman! Pourquoi t'achètes pas ton shampoing comme tout le monde? La cousine Mildred nous rend visite tout à l'heure avec ses triplés. Ces petits choux sont adorables. Je compte sur vous pour vous en occuper, d'accord?